Pourquoi j'avais grossi avant les jus? Je C'est-à-dire suis un fou des sodas, des d'Oasis, des trucs. sodas, des. Ah ouais? Wesh! Ça y est, avant, quand je jouais à la Play, je pouvais boire deux grosses bouteilles de 2 litres, là, d'Oasis, mon gars. Ah ouais, donc le péché mignon, c'est le soda. Soda! Quel accueil! Quel accueil! Un accueil de roi! Vraiment jovial! Franchement, un accueil mérité, frérot, je suis très content de te revoir. Merci, moi aussi. Ça fait longtemps, putain! Je n'ai jamais pécho une meuf qui a tourné dans un de mes clips. Déjà fait? Ouais? Vas-y, raconte, frère! Non, je rigole, je rigole, je rigole! Trop longtemps! Pareil, vas-y, en vrai! Tu dalles, frérot! On se parle que sur Insta! Que sur Insta! On s'est croisé un jour, mais je sais plus où! Tiens, Manchester, Paris! C'est ça le dernier! Tu fais un showcase là-bas! En tout cas, je suis trop content de te recevoir, moi! Cette fois-ci, on l'accueille pour la sortie de sa nouvelle mixtape. Big Daddy, c'est disponible le 24 juin. Mais vous connaissez l'Open Space. NASA ne connaît pas le Saladier. Donc on va le dépuceler là tout de suite! Let's go, la mif! Saladier! On t'a vu à l'actu un petit peu ces derniers temps là. Ouais. T'as vu sur Netflix. Nouvelle école là. Ouais. Kiffé hein. Ouais. Ils ont fait un bon truc. Surtout après moi je suis arrivé que sur un épisode, tu vois. Si toi t'avais été un membre du jury, toi t'aurais mis ta pièce sur qui franchement? Moi vraiment? Ouais, bébé Jack. Parce que c'est. Ah, comment il place les rimes, comment il découpe, c'est très grave. Ok, donc il t'a convaincu. Non, moi il m'a convaincu. Déjà dans le premier, le deuxième freestyle, c'est encore pire. Peut-être un petit feat, un truc. Non, je sais pas, mais je suis en tant que fan. Ok. Je suis un fan là. Très bien. T'as capté, je suis un fan. Très bien. Du coup, on va passer tout de suite au Saladier. On va voir si t'es fan de tes gars. Parce qu'en réalité, tous les gens là que j'ai mis dedans, okay. C'est que des artistes qu'il connaît. T'as trois noms. Dans un Saladier faible budget, t'as capté. T'as 10 secondes pour me donner 5 morceaux de l'artiste. En 10 secondes? En 10 secondes. La mif, est-ce que vous pensez que NASA va s'en sortir? Ouais. Ok. Vas-y, let's go. SCH. SCH. Morpheus. Ouais. 6 secondes déjà. Très organisé. Ouais. C'est l'enfuite. Ouais. Tu me stresses. Mais non, mais. Mais il y en a plein. Mais ouais, vas-y. J'ai oublié. Bah ouais, bah. Non, frérot. 13 secondes, NASA. C'est mon bouc. Mais ouais, mais c'est pas grave. J'écoute grave. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais que ça va faire pareil pour tout, tu me stresses. Let's go. J'en ai pas. Mais le goal de Chelsea avant. Courtois. Ouais. Non, mais après, il y en a joli. Joli garce. Le truc qu'on voit, le. Joli garce. Liquide. Ah, liquide. Liquide. Ah ouais. Les ah, amis, je suis mauvais. Je crois que j'ai vraiment créé un jeu atroce. Ce nom-là, en vrai, je vais annuler les deux là. Si t'arrives pas à me donner ça, c'est très très grave. Il est là, il est là. Tu vois l'impression que je te mets. Que Black. Tout va bien. Ouais. Bazardé. Ouais. Comme ça. Ouais. Évadé. Ouais. Allez. Non, 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 non. J'ai dit en fait non. Non. Tu me non, 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 j'ai rien dit. Premier étage. Mais frérot. Et tout. 10 secondes. Non mais j'arrive pas, tu me stresses. Ouais. Je vais te laisser une autre chance. T'as un morceau qui s'appelle OG, ça vient, ça rappe sur du boom bap. Red Bull nous a envoyé un jeu incroyable. C'est en collaboration avec le studio Popcorn en rapport avec Rap Jeu. Et justement, on va voir qui sont les vrais OG. Let's go. Donc, regardez, il y a un classement, tout ça, on va faire une nouvelle partie. Moi, j'ai déjà joué, j'ai déjà fait un score de ouf, je vais vous le mettre à la fin. Et on peut jouer quand? Quand la vidéo va sortir, non, ça sera moi, disponible. Non, je parle de tout de suite, là. Là, on va jouer tout de suite. Non, on va jouer. Donc, t'as 66 gars à trouver, t'as 66 références, tu vois, dans l'univers. Là, t'as reconnu qui? Nino, ouais. Ok, donc tu cliques, tac. Ok, donc ça te met le niveau de difficulté de l'artiste. Donc, en gros, là, NASA, t'as trouvé un truc facile. Regarde, quand tu regardes ça, là, ça te parle ou pas? C'est quoi ça? Alpha One. Ah ouais, mais tu sais que moi je vois pas bien. T'es myope? Ouais, ouais. Tu sais que moi je vois la play comme ça, ouais. Imani, Dinos. Ah ouais, mais tu vois, toi t'es t'as puissant, capté. J'ai capté. Frère, j'ai 12 sur 10 sur les yeux. Et moi, niveau difficile, tu vois. Ben regarde là, ça c'est qui, frère? Jules. Ok. Mais tu sais, t'as vu, regarde, je connais, mais tu sais, j'aurais même pas tilté le. T'aurais pas vu en fait. Ok, donc tu vois, là on a débloqué un quiz. Roland Gamos, on va aller le faire tout de suite. Avec qui Al Capote n'a-t-il jamais fait de feat? Jean-Marie Bigard, Bilal Hassani, Francky Vincent ou Philippe Catherine? Jean-Marie Bigard. Avec qui Dinos n'a-t-il jamais fait de feat? Ça c'est sûr. Avec qui Hamza? Avec qui Hamza il n'a jamais fait de feat? Aya Nakamura, Lucien Jacuzza, Enchanté Julia ou Christine and the Queen? Enchanté Julia. Yes, let's go. Avec qui La Fève n'a-t-il pas fait de feat? Khali, Winter Zuko, Jinwebe, Sansulo. Je dirais Winter Zuko. Ok. Ah ouais, t'es fort. Avec qui Kalash Criminel n'a-t-il jamais fait de feat? Zed, Nahir, Valt, The Four. Zed. Non. Oui, ouais, oui, ouais, oui, oui, oui. Mais tu me dis, t'es sûr, j'ai douté. Avec qui Damso n'a-t-il jamais fait de feat? Kobo, El Grande Toto, Isha, Kalash. Isha.
Ah ouais? Et le Grand Theft Auto, ouais, tu l'as déjà fait? Toi, tu dis le Grand Theft Auto? Ouais. T'es sûr? Non, vas-y, vas-y, mets ton e-shot, t'as dit un remix, je sais pas, j'ai jamais entendu ton truc, frère. Yes! Voilà. Let's go! Voilà! Tu dis ça, et du coup, vous gagnez des points, et ça vous fait progresser dans le jeu. Donc, la mif, moi, je vais vous mettre mon score à la fin. N'hésitez pas à tenter votre chance. C'est technique, faut être chaud. Et le lien est directement dans la description. Donc, n'hésitez pas. Allez, wesh. Allez vous amuser. La mif, on se retrouve dans une toute nouvelle séquence. J'ai envie d'en apprendre un peu plus sur les artistes qu'on reçoit. Du coup, NASA va passer dans cette nouvelle séquence qui s'appelle « Parle-moi de toi ». On se connaît un petit peu, je connais tes qualités, je connais tes défauts, je sais ce que t'aimes bien et tout, mais le public ne le sait pas. Okay. Du coup, si je devais te décrire à quelqu'un, quelles seraient tes trois qualités? J'ai un bon cœur. Ok. Ouais, je suis marrant. Ok. Une qualité, drôle. Non ouais, c'est drôle. Ouais. Bon cœur, drôle, ouais. Ouais, je suis très famille. C'est une qualité, ça, bon, c'est valide. Ouais, ouais, ouais. Okay. Bien sûr. Okay. À contrario, c'est quoi tes trois défauts? Fainéant dans la vie. C'est-à-dire? Il n'y a que quand je suis au studio que je suis chaud. Ok. Mais sinon, même pour aller chercher une télécommande, un bail à côté, les trucs là, j'appelle les neveux. Ouais, t'as la flemme. Ça souffre chez moi. Même des trucs pires, là, je te parle de télécommande, des trucs, on me dit, moi je suis un bouc, je prends que 3 heures de van max, un truc comme ça, 3 heures et demie. Tu me dis, mais il n'y a pas de train pour aller là-bas, il faut aller 5 heures en van. Vas-y, tu prends 20 000 euros. Non. Mais est-ce que tu sais que j'y vais pas? Les gars, vous le laissez faire ça? Sérieux, frérot, tu sais que j'y 2 heures en plus. Tu sais que j'y vais pas. Je te dis, je suis en mode, vas-y, viens, on va à Paris. Je te dis, vas-y, on va. Ouais. Peut-être 10 minutes après, je vois un truc. Ouais. Non. Mais ça, c'est dû aussi à être fainéant. Voilà. En fait, c'est même pas le problème de changer de truc. C'est que c'est là que je te dis ouais. Que mon premier défaut, là, il est grave. Parce qu'en fait, toi, faut que ça se passe tout de suite. Si c'est genre quelques voilà. heures ou quoi, t'as le temps de réfléchir. Des fois, c'est grave. C'est quoi le truc le plus ouf que t'as pu faire par amour? Je te dis la vérité. J'ai eu deux meufs dans ma vie, moi. Hein? Deux meufs. Non, mais t'es un mytho. La vie de ma mère. Mais la vie de moi, je demande à tes gars. C'est vrai, ça? Ouais. Après, j'ai eu des conquêtes. On se caresse, on se fait des papouilles. On se touche la langue. Ouais, ok. Des petits trucs, genre. Mais sinon, j'ai eu deux meufs. Mais vas-y, y'a pas deux meufs qui t'ont vu tout nu, frère, arrête. T'as vu pourquoi tu vas loin? Non, mais c'est toi, tu m'as dit, c'est que tu m'as dit par amour. Tu m'as dit par amour, c'est quoi le truc le plus ouf? Deux vraies relations, tu veux dire? Oui, voilà. Ah, voilà. Ah, mais c'est pour ça, mais sinon, si je compte tout, mes masters. Mais si je peux remplir même des étages. Ah, bah... Laisse ça. T'as un cœur difficile à avoir. On dit, ouais, on dirait que je suis truc, mais trop difficile. Hein. Ah ouais? Pour venir là-dedans, là. Ah, master. Bon, alors c'est quoi ton type de meuf? Courte. T'as capté celle-là? Courte, tassée un peu. Blonde. Okay. En fait, je suis en train de te décrire ma fumée. Ouais. Ok, ah bah voilà. T'as capté, donc... sinon, problème. Courte, tassée, t'as capté? Ouais. Bien belle, chargée un peu, c'est carré. C'est quoi ton péché mignon? Pourquoi j'avais grossi avant les jus? C'est-à-dire? Je suis un fou des oasis, des sodas. Ah ouais? Wesh. Tu sais, avant, quand je jouais à la play, je pouvais boire deux grosses bouteilles de 2 litres, là, d'oasis. Mais non. En jouant à la play, c'est-à-dire en temps. Après, moi, je joue des 8 heures. Ouais. Mais c'est quand même grave de boire deux bouteilles de 2 litres. C'est sucré, hein? Oh! Mon gars. Ah ouais, donc le péché mignon, c'est le soda. Soda. Toi, c'est quoi le regard que tu portes sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y en a, t'as vu, il y a des petits, il y en a, ils montrent des choses qu'il faut pas montrer. L'harcèlement, c'est l'harcèlement. Les gens, quand ils me savanent, tu vois, moi, je m'en fous, on aime bien. Mais il y en a, ça peut leur faire mal, tu vois. Toi, t'as jamais été atteint par les petites vannes que t'as pu voir sur Twitter? C'est vrai qu'à chaque fois, je te vois, t'es souriant, t'as toujours une bonne vibe. Ouais, parce que les tu gens. Tu te laisses pas atteindre. À la base, avant, les gens connaissent ma musique, je suis arrivé, je vannais sur Snap. Tu crois que moi, ils vont me louper quand il y a un truc? Mais j'aime bien, tu vois, c'est rien. Ouais, c'est bon, beau délire. C'est beau délire. La vie d'artiste, c'est bien, mais. La vie d'artiste, c'est bien, mais c'est compliqué. Ah, y a des endroits où je peux plus aller, wesh. Moi, j'étais un bouchier, j'allais à Paris, je prenais mon train, paf. Je suis à Châtelet, les bails. Oh, je peux pas aller à Châtelet comme ça. Tu as capté? Faire tes courses. Non, c'est mort. Même les bails, moi, j'aimais bien. Au début de la Zikmu, là, j'allais un peu à Aéroville. J'allais, je prends mes survêtes moi-même. Tac, je suis là bien, tu vois. Mes survêtes Nike. La vie d'homme, je le fais quand même. Je le fais parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. C'est bien, en fait. Il faut kiffer. Après, des fois, quand t'es fatigué, bon, tu vas pas. Je sais que les gens, ils vont truc. Mais quand tu me vois, c'est que je suis de bonne humeur. Merci beaucoup pour ta sincérité, NASA. Merci. S'il vous plaît, applaudissez. La mif, on passe tout de suite à la mort au tchitchi. Toi, choisir mort ou tchitchi. La mif, on se retrouve dans la dernière séquence. Hey. La mort ou le tchitchi avec sûr. Le frérot NASA. C'est génial. Qui ne va pas goûter au tchitchi, c'est sûr. C'est sûr. Donc, on a pour habitude de prendre des artistes qui sont proches de l'artiste en question, NASA. On a choisi Aya Nakamura. Okay, c'est ouais. bon ou pas? Ouais, ça serait fort.
je rappelle les règles. Je vais te poser à peu près 6-5 questions. Le public va faire le timing avec moi. Ok. Tu auras 5 secondes pour nous donner la réponse. À chaque question ou 5 secondes pour les 6 questions. C'est parti. NASA, est-ce que tu peux me donner le nom du dernier morceau de Aya Nakamura? Méchante. Méchante. Hein? Méchante. Ah, c'est bon, il l'a, il l'a. Wesh, les gars. Il l'a. Peux-tu me dire le nombre exact de vues que contient le clip Jaja sur YouTube? 5, 4, 3. 644 millions, je sais pas. Hein? 600 millions. Plus. T'es 868 millions, c'est incroyable. On est reparti. Avec quel artiste Aya n'a-t-elle jamais feat encore? Stormzy, Damso ou Burna Boy? 5, 4, 3. Burna Boy. Burna Boy. Ah, il est chaud en vrai, il est chaud, il est tout calme, il est chaud. C'est reparti. Quel célèbre animateur télévisé a écorché le nom d'Aya Nakamura en direct? Castel, je sais pas quoi. Hein? Castel. Quoi? Casse-toi. C'est qui? Je sais plus. Nikos Aglaé. Ah oui, Nikos. Ouais, mais vas-y, parce que... Nikos. C'est reparti. Avec quelle grande marque de luxe Aya a-t-elle collaboré récemment? 5, 4, 3. Balenciaga. Ouais, t'es chaud. Attends, mais qui donne les réponses là? Guinette, tu donnes les réponses? Mais je l'assume. J'ai entendu. Si, c'est le sang. Combien de lettres y a-t-il dans Aya Nakamura? 5, 4, 3, 2, 1. 10. Non, c'était 11. Putain. Dernière question, NASA. Attention, ça sent pas très bon là, frérot. Ça sent pas très bon. Peux-tu me donner le nom du morceau qu'Aya Nakamura a fait avec Oh Boy? 5, 4, 3, 2, 1. Rejoins Hein? Rejoins Gablis. De quoi? Je t'ai dit? Non, j'ai pas. Bah, tu peux me redire, lui. Non, tu l'as pas. Préféré, tu connais mes positions préférées. Bah oui. Ah, mais... Du coup, NASA n'a pas réussi à passer la première épreuve, bien qu'il soit aidé par le public. Là, je vois des indices. T'as vu comment t'es? Non, mais maintenant, quand je gagne, maintenant. Là, je vais t'envoyer Niska. Je mets les lunettes. Top, est-ce que tu peux me donner le nom du dernier album, pas mixtape, de Niska? Commando? 4, 3, Le Monde est méchant. 2, pas mixtape. Voilà. C'était Monsieur Sale. La vie de ma mère. Monsieur Sale. Ah, mais t'as été trop technique, pas le truc de... On est reparti, NASA. Peux-tu me donner le nom du morceau que Niska a interprété lors de son Colors? 5, 4, 3, 2. Ah, mon gars. C'était bon déjà. Bon déjà. Ah, t'as été technique. Bon déjà. C'est reparti. Est-ce que Niska a déjà fait un feat avec Gazo? 5, oui. 4, ouais, c'est quoi? 3. Le son avec Chacola et Gazo. Ah, il est chaud. Ah, t'es chaud. Oui. T'es chaud. Peux-tu me donner le nom du morceau que Niska a fait avec Aya? 5. Sucette. C'est bon. Il a. Peux-tu me donner le nom du hit que Niska a fait avec Booba? 5, 4, 3. Du dernier hit, le gros hit. Le gros hit? Ouais. Médicament? Oui. On lui donne ou pas? Ouais, bien sûr. Mais j'allais dire un autre truc. J'allais dire l'autre. On lui donne? Oui, bien sûr. Ok. Peux-tu me donner le nom du protégé de Niska dans Nouvelle École? 5, 4. Le nom de qui? Du protégé de Niska dans Nouvelle École. Chup. Mais non, c'était Lace. Ah, bah ouais, oui. Mais sinon, tu dis du nom au masculin. Bah, c'est pour ça, j'ai fait exprès. T'as accepté le gage de l'anecdote. Tu m'as dit, t'as une anecdote à nous raconter. Je suis en concert à Kinshasa, quand j'étais chez Bomaye à l'époque. Tout le monde était déjà passé, sauf moi, en concert. C'était un truc. Maintenant, ça veut dire, tout le monde a ça, que moi, ils veulent rien savoir aujourd'hui, les gars. Tellement les gens, ils truquent, ils me disent, non, en vrai, dernier, NASA, toi, sinon, ça va être grave. J'arrive, ça veut dire, moi, chaud comme jamais. Je chante, pas, da. À un moment, je sens mon ventre, il... J'ai dit, non, c'est pas le pondou, quoi. Mal au ventre. Masta, écoute. Mais non. Masta. En plus, à un moment, c'est la débauche, c'est-à-dire je danse, mais pas... C'est-à-dire ça descend encore. Maintenant, plus je fais des boulots, plus ça descend. Oh, purée. Masta, à un moment donné, j'ai envie de chier. Je fais putain de merde, mais j'ai oublié quoi, en fait, il m'avait pas fait les feats avec Que Black. Ouais. C'est-à-dire, moi, je fais putain de merde, pour moi, direct, je taille. Ouais. Je vois Que Black, il arrive, je comprends qu'il y a au moins 6 sons avec lui. J'ai dit, attends. Par contre, t'as vu, maintenant, moi, avec Que Black, on est là. J'en peux plus. Je lui dis, hey, j'ai bouffé de chaleur, max. Je crois qu'il y avait une bactérie. Je dis à Que Black, Masta, là, je vais aller chier. Il me dit, voilà, pas. Il me dit, voilà, va chier. Maintenant, je dis, Masta, reste, fais genre. C'est-à-dire, lui, il danse un peu, Masta, je recule. Bon, j'ai détruit.
J'ai détruit, je suis revenu en forme avec une énergie. On t'a reçu justement pour ta nouvelle mixtape, Big Daddy. Dis-moi pourquoi on devrait streamer le 24. Pourquoi là, minuit, direct, là, le 24, faut qu'on se branche sur Big Daddy. Parce que vous êtes beau. Les gens beaux cliquent sur mon album. Voilà. Voilà. Non, parce qu'en vrai, c'est un nouveau délire. Il y a des trucs rappés. Comme d'hab, il y a des belles mélodies. Là, il y a de tout, en fait, t'as vu. Avant, il y avait un peu moins de trucs rappés, mais il y a de tout. T'as fait un bon mix de tout ce que tu sais faire de mieux. C'est ça. Des très gros feats, des prises de risque, comme tu dis. En tout cas, félicitations, mon frérot. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. C'était l'open space le plus chaud que j'ai fait de toute ma vie. J'ai jamais perdu autant d'eau. Mais c'était un plaisir. J'ai kiffé. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, vous nous dites dans les commentaires, vous laissez un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas d'aller tester le jeu aussi sur Red Bull, le jeu en ligne, et on va voir si vous faites des meilleurs points que moi. NASA, toute l'équipe de l'Open Space te souhaite beaucoup de bonheur. Merci et on va te suivre vous aussi, avec ce nouveau projet. Ça bouge pas. Force tout le monde, à la prochaine, ciao.